kimpe ya mami nafungole laka na moto yunga beti hinde kunanga tina nini yofanda yokanga maboko tina nini yozela kaka bampesa yo mudiswa lo mudise kufi ya longa luka ya moto kina yo kotala busu ya moningate sengana ya we bamposa na yo nyoso nakopesa yo uyo motema na yo yezalinde na mposa tina nini natalela moto ya mukili tina nini navanda na kanga maboko mpo bapesa ngai bongolo biso kazange yanga na kosuka wapi webi koluka fasilite na mokili yango nde ebimaka difikilite na vie ya moto avec sa pire on triomphe sa gloire ebele balobi nzela mokuse baponi basimbangisi kasi tina nini yoboma moninga na yo tina nini yozwa na mokili lobi yokufa na yo futa na yo ekozala nini na ntango ya suka tina nini yozala pese tina nini yobungisa bomoi na yo ndeko likolo ya mbongo sirse nde obomi moninga no na mokili tina nini vraiment tina nini boteki busu kolela te o mokili komplike mingi baluka lavi na prese lelo bazonga mabele lisusu balokota bakasa na fulu babela maboma ngai moko te mwe miso na ngai te mwe tina nini nazala prese vanda kimia titango ya kopesa oyo nzambe yakana retarete kasi yakana ngonga ekoki tina nini nazala pese tina nini nabungisa bomoi na ngai eyaka mpe na retare te kasi yakana ngonga ekoki mpe nazalandisa maaya na mabe moko ti adordojomoyoyemisela korir sikoyo bapapa bamama totelemi mpe tokangi makuta ya loketo tobinela yesu etata mborenze amama mborenze lizeleme ya samu ndenge nzeme funu nzeme izeleme ya samu ndenge nzeme funu nzeme babaswa bashimikisi bazuu babile babaswa bashimikisi bazuu babile babake bafime ya deleli nzeme ya ningebe we babake bafime ya deleli nzeme ya ningebe we aningebe ye mama do 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 do
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Nous bénissons notre bien-aimé, le chantre de l'Éternel, l'homme de Dieu, Gauthier Kimbosu, que le Seigneur le bénisse davantage. Bon, il y a une partie où je suis en train de supposer ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas une langue que je maîtrise, mais je pense et je crois. Parce que j'ai foi en mon frère qu'il a dû répéter l'idée de ce qu'il avait chanté en Lingala. Donc, il a chanté dans une langue qui me dépasse. Donc, c'est comme s'il était en train de parler en langue pour moi. Donc, voilà, que le Seigneur puisse véritablement, n'est-ce pas, élever et glorifier le nom de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir glorifier, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Donc, le cantique chante pour dire que voilà, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange non plus. Dieu donna du travail à Adam et lorsqu'Adam va pécher, Dieu va lui recommander de pouvoir travailler et il va lui dire que c'est à la sueur de son front qu'il pourra manger. Donc pour pouvoir manger, il faudrait suer. Pour pouvoir manger, il faut travailler, bouger. Et ainsi, il évoque l'écriture aussi de Matthieu pour dire que frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc, il ne faut pas rester inactif et il ne faut pas compter sur les hommes car maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est que l'autre a, il ne faut pas envier parce que on ne sait pas comment il a reçu, comment il a eu cela. Et je crois qu'il y a une écriture qui corrobore aussi cette pensée pour dire que lorsque je regarde le méchant, je le vois prospérer. Et quand je voudrais être comme lui, en regardant la fin qui lui est réservée, je me dis que je ne pourrais pas trahir ma race. Donc ça, je crois que c'est David qui évoque cela. Donc voilà, c'est qu'il nous exhorte et il dit, quand on veut la facilité, on se crée des problèmes, on se crée des difficultés. Donc vouloir la facilité, c'est amener les difficultés et ainsi, lorsqu'on veut facilement gagner la vie, on peut se laisser dans la magie, dans les fétiches, dans les sciences occultes. Et tout cela vous amènerait beaucoup de problèmes, donc des sacrifices humains. Donc vous-même, vous risquez, quand vous êtes en Afrique, vous risquez de vous retrouver à côté des poubelles. Donc voilà. Bon, je ne sais pas ici, le sort réservé à ceux qui vont chez les féticheurs, qu'est-ce qu'ils deviennent parfois, c'est la dépression. Donc voilà, mais du moins, ceux qui ont voulu aller dans ce sens-là, on a reçu beaucoup de témoignages où ils étaient en train de pouvoir réellement ruiner leur vie. Par rapport à beaucoup de choses. Et c'est que Dieu donne au temps convenable. Donc voilà, il faut de la patience, il faut patienter jusqu'à ce que Dieu va te donner. Donc Dieu, quand il te donne, il te donnera au temps convenable. Ça peut être assez rapidement, tout comme ça peut prendre du temps. Quand ça prend du temps, il faudrait de la patience. Quand c'est donné dans un temps bref délai, il faudrait de la responsabilité, il faudrait recevoir cela et pouvoir glorifier le Seigneur au travers de ce que le Seigneur nous donne. Voilà, donc ça c'est la partie où j'ai compris et j'ai essayé de capter quelques phrases ou quelques mots, n'est-ce pas, de l'autre partie et je crois que c'est dans le même sens. Je crois que lui-même pourra
aussi confirmé cela. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse nous soutenir chacun de nous. Voilà pourquoi ça m'a plu aussi de pouvoir choisir ce thème, parce que vous allez comprendre que la prière, la foi, la religion peut avoir un effet contraire par rapport à ce que les hommes chercheraient à pouvoir réellement résoudre leurs problèmes. Donc, lorsque nous avons la foi, le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu, ne cherchez pas à vous inquiéter de ce que vous allez manger, boire, vous vêtir. Il a donné l'exemple des oiseaux qui ne sèment, mais qui se nourrissent. Donc, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils se nourrissent chaque jour. Et Dieu réveille les herbes du champ. Donc, on aurait tendance à pouvoir croire que le Seigneur nous incite à pouvoir réellement compter sur lui et ne rien faire. Donc, c'est un peu ça. Et effectivement, quoique nous avons certaines prédications, exhortations, mais le fond, parfois, reste cela. Donc, surtout, nous qui sommes encore dans le tiers-monde, vous allez voir les gens croiser les bras et dire que Dieu fera. Vous voyez, ça, quand quelqu'un vous répond comme ça, vous, vous sentez que, en fait, lui, il ne sait plus rien faire, donc il ne compte que sur Dieu. Mais pourtant, l'Écriture dit que Dieu est ouvrier avec les hommes. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, pour prêcher les hommes, pour rassembler le peuple de Dieu, personne ne croise les bras pour que Dieu descende et puisse aller appeler les gens, puisse les rassembler, puisse réellement les prêcher, puisse les exhorter. Mais là, tout le monde est conscient que Dieu fait avec nous les hommes. Donc, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tout le monde est conscient que Dieu fait au travers les hommes. Mais quand il s'agit de pouvoir travailler, chercher de la nourriture, du vêtement, chercher à prendre soin de soi-même, parfois on a tendance à croire que voilà, j'attends que Dieu puisse faire. Or, cette attitude-là, c'est l'attitude que Paul a dû réellement réprimander. Et cela, c'est dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Donc, vous allez comprendre que Paul va pouvoir parler et exhorter les frères. Nous sommes au chapitre 3 de 2 Thessaloniciens. Au verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ici, lorsque nous lisons, nous allons comprendre que le désordre ici, c'est vague. C'est-à-dire, si nous ne prenons que cette écriture, nous pouvons évoluer dans tous les aspects, c'est-à-dire le frère qui qui se prostitue, qui escroque, qui se bagarre, qui se querelle, qui ne respecte pas les règles de la société. C'est un frère qui vit dans le désordre. Mais Paul ici va pouvoir préciser le désordre dont il parlait. Voilà pourquoi il dit que voilà, il faut s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Voilà. Donc Paul commence à pouvoir spécifier, n'est-ce pas, sa pensée en disant que voilà, éloignez-vous de tous ceux qui sont dans le désordre. Vous avez vu comment nous avons pu vivre au milieu de vous et nous n'avons point été dans le désordre. Et il va encore éclaircir pour dire,
Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Voilà. Donc, il commence à détailler. Celui qui mange gratuitement le pain de quelqu'un, il vit dans les désordres. C'est pas moi, c'est Paul. Voilà. Bon, de toute façon, Paul était un Européen, hein, c'était un Romain. Donc, parce qu'ici, vous allez commencer à dire, ah, ça, c'est l'esprit des Européens. Oui, cet esprit, et ici, c'est l'esprit de d'or. C'est conforme aux Écritures et à la volonté de Dieu. Donc, il dit, il ne peut pas manger gratuitement le pain de quelqu'un parce qu'il ne l'a pas fait. Vous voyez? Et il va pouvoir enchérir pour dire que, voilà, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Voilà. Donc, il a refusé les deux ordres. Les deux ordres consistent à manger gratuitement le pain d'autrui. Donc, quand quelqu'un travaille et toi tu manges gratuitement, donc tu vis dans les désordres. C'est pas moi, je ne répète que les Écritures et on va pouvoir aujourd'hui nous exhorter par rapport à cela. Donc, il démontre qu'il a travaillé nuit et jour et il était dans la peine, n'est-ce pas, pour ne pas être à charge à aucun. Des Thessaloniciens, des frères qui étaient là. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ah, bravo Paul. Bravo, 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 bravo Paul. Bravo. Ça, c'est bien. Vous voyez? Donc, Paul. L'apôtre Paul, bon, je l'appelle Paul, ce n'est pas un problème, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quand on nous appelle par nos prénoms, on a l'impression qu'on nous a désacralisés, on a l'impression qu'on nous a diminués, on a l'impression qu'on nous a, voilà, méprisés. Mais nous appelons Paul, Paul, Jésus, Jésus, sans pour autant avoir ce sentiment-là. Donc, voilà. Donc, l'apôtre Paul, il dit. Et pourtant, on avait le droit. On avait le droit de pouvoir manger le pain, votre pain, le travail, la sueur de votre travail, de pouvoir être à votre charge. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Nous aussi, normalement. Vous voyez, quand, oh non, ce sont des paresseux. Non, 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 non. Non, si nous ne sommes pas à charge de quelqu'un, ce n'est pas parce que ce n'est pas la parole. C'est la parole nous donne le droit de pouvoir nous nourrir, n'est-ce pas, de ce que vous travaillez, de ce que vous gagnez. C'est notre droit. Mais comme Paul, oh, c'était bravo, 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 bravo. Paul, c'était un bon pédagogue. Ouais. Il savait que s'il enseignait, il disait aux gens de pouvoir travailler, de pouvoir chercher sans que lui ne le fasse, ça serait un enseignement incomplet. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'enseignement complet, c'est le fait que vous êtes en train de pouvoir enseigner, exhorter, dire les choses venant de la part du Seigneur et vous les vivez vous-même. Donc, c'est-à-dire que les frères et les sœurs qui vous entendent voient ce que vous êtes en train de pouvoir leur prêcher. C'est ça l'enseignement. Si ils ne voient pas, vous allez former des bandits. Vous allez former. Vous allez former, n'est-ce pas? Des hommes avec beaucoup de théories et sans pratique. Voilà pourquoi parfois les gens se plaignent pour dire que non, vous voyez, vous, maintenant, vous aimez trop la révélation, vous aimez trop les choses compliquées. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne voient pas ces choses compliquées ou ces révélations.
se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi il commence à pouvoir parfois douter, n'est-ce pas, de ce que nous leur disons. Donc, examinons-nous, chers prédicateurs, ministres de la parole, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, n'est-ce pas, pasteurs. Donc, vous allez comprendre que ces titres-là nous donnent de la dignité, mais ce titre nous donne une responsabilité d'être un modèle. Donc, ici, Paul est modèle non pas seulement dans la prédication, comment prêcher, démontrer les mystères. Je vais vous parler d'un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons tous transformés. Je vous dis, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts ressusciteront premièrement. Nous ensuite, nous allons pouvoir réellement les rejoindre dans les airs. Donc, le Fils... N'est-ce pas, tout lui est soumis. Il a donné beaucoup de révélations. Oui, quand il prêchait comme lui et il vivait comme lui. Voilà pourquoi quand il recommande Tite chez les Corinthiens, il dit, vous allez voir de quelle manière Tite va pouvoir vivre. Il va vous prêcher comme je prêche, il vivra comme je vis. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de pouvoir réellement dire aux frères de nous imiter? Oh, très peu, très peu. Bon, nous sommes faillibles, oui. Je suis faillible, je suis sujet à la faiblesse. Mais en tout cas, je crois humblement, si beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, essayer de pouvoir... vivre comme je vis, en tout cas, ils vont beaucoup progresser. Ça, je le dis clairement. Je le dis vraiment du fond de mon cœur. Je suis quelqu'un de... je n'aime pas trop... Je suis calme, oui, mais je n'aime pas trop manifester la nature, la sainteté. Je suis... J'ai des frères avec qui on travaille ensemble. Bon. Parfois, je me dis, ils pourront me reprocher pour dire, « Ah, pasteur, il faut de temps en temps, le pasteur. Bon, Dieu, là, je sais que je suis pasteur, je sais que je suis disciple de Christ. Je vis, je le vis, mais je ne l'aimais pas comme, voilà, je vis comme je sais qu'en vivant, je sais que je suis, comme si quelqu'un vient me provoquer, je sais qu'en me provoquant, il cherchera à voir si le pasteur va s'énerver. Je le sais, mais je ne m'énerve pas parce que je suis pasteur, non, je ne m'énerve pas parce que, je vois que Christ aussi n'allait pas s'énerver dans une telle situation. Donc, pasteur ou pas, donc je ne vais pas m'énerver. Voilà. Donc, Paul donne réellement quelque chose d'important ici pour dire que, voilà, nous avons voulu. Donc, je me suis privé de mon droit pour vous montrer qu'il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Donc, Paul travaille et il dit, donc, vous devrez être nos imitateurs, travaillez comme nous on a travaillé. Et il a travaillé dans la peine, ce n'est pas, il n'a pas cherché un travail facile, travail difficile. Et il démontre que jour et nuit, ici jour et nuit, ce n'était pas prier, en même temps qu'il priait, en même temps qu'il méditait la parole, il partageait la parole, mais il travaillait pour manger comme nous mangeons les beefsteaks, nous mangeons... les couscous, nous mangeons, n'est-ce pas, les pâtes, la chikwang, le foufou, le riz. Donc, il travaille pour cela. Et ici, il démontre qu'il a travaillé dur. Et nous allons avoir les écritures où Paul a travaillé dur.
Car lorsque nous étions au verset 10 chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Tu ne veux pas travailler? Ne mange pas. Donc, ne cherche pas, voilà, ne t'habille même pas. Ne mange pas, ne t'habille pas, ne bois pas. Voilà. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Voilà. Donc, il comprend que non, certains frères, ils ne veulent pas travailler. Bon, aujourd'hui, quand on fait l'actualisation de cela, oh non, frère, non, 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 moi je suis dans des prières, je suis dans la permanence, l'équipe d'intercession. Le frère ne veut pas travailler. Comme vous savez, ici, vous voyez, les sœurs, on n'a pas parlé des sœurs, hein, vous voyez. Quand une sœur ne veut pas travailler, ne n'amène pas l'écriture, il s'agit des frères, pas des sœurs. Ça c'est bien, ah oui. La parole est bonne, la parole est bonne. Voilà. Donc, une sœur qui ne voudrait pas travailler, bon, moi, je n'ai pas d'écriture, hein, je n'ai pas d'écriture. Je suis humble. Si vous m'amenez l'écriture pour que je pousse la sœur à pouvoir aller travailler, vous me donnez. Mais je sais que je peux toujours l'exhorter pour lui dire qu'il y a, c'est avantageux de travailler que de rester à la maison, n'est-ce pas? Même quand elle reste à la maison, elle travaille. Mais elle travaille pour sa maison, pour elle, pour son mari, pour ses enfants, c'est bien. Mais voilà. Donc, les sœurs, nous allons vous exhorter avec beaucoup de, hein, d'amour, beaucoup de gentillesse. Pour vous dire, bon, si vous voulez travailler, c'est bien, c'est mieux, hein, ça fait bien, ça va vous permettre d'être épanoui. Voilà, c'est comme ça que nous allons parler aux sœurs. Mon frère, nous allons dire, il faut aller travailler. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez comprendre qu'aux frères, on va parler avec autorité. Voilà. Mais aux sœurs, on va leur dire calmement, voyez, Rachel. Malgré ça, elle était bergère. Hein, Léa aussi était bergère. Vous voyez, donc elle travaillait quand même. Elle participait à l'enrichissement de leur père. Voilà, ça leur permettait de s'épanouir. Vous voyez, nous allons leur parler de Dorcas, de Tabitha, pour dire que vous voyez, c'est une femme qui se distinguait, qui se débrouillait, qui faisait, donc voilà. Là, on va parler avec grâce. Mais les frères, nous allons amener Moïse pour leur dire, frère, allez travailler. Ça, c'est bien. J'aime la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, ok. Voilà. Ils vivent, ils s'occupent de futilité. Donc, voilà comment Paul a placé les choses, n'est-ce pas? Pour attendre, je vois ma sœur, ma sœur Charlotte. Voilà. Ah ouais, elle dit, nous travaillons pour notre épanouissement. Ah ouais, elle a raison, hein? Elle a raison. La femme, si elle travaille, c'est pour son épanouissement. Elle n'est pas obligée de travailler selon les Écritures. Selon les Écritures, si elle reste à la maison, elle dit, je ne veux plus travailler, je reste à la maison. L'homme, tu ne dois pas commencer à devenir colérique pour dire que, oh non, voyez, tout ça, non. Parce que les hommes sont toujours comme ça, surtout en Europe. Dès que la femme dit que oh non, je ne veux plus travailler, l'homme devient colérique. Non, ne devient pas colérique. N'est-ce pas? Comprends que c'est son droit, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. Mais tu peux l'exhorter, comme on dit, il ne faut pas t'énerver. Il faut être un gentleman pour convaincre la femme pour aller travailler. Voilà. Donc, nous comprenons que les frères, n'est-ce pas, doivent
travaillent. Doivent travailler parce que ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. Et là, le bien-aimé nous a amenés dans le jardin d'Éden et vous allez comprendre que Dieu crée l'homme pour travailler. Le but, l'homme a été créé pour travailler. Lisons les Écritures. Genèse chapitre 2, au verset 5. « Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Donc, le but, donc l'homme a été littéralement, fait pour travailler. Donc, c'est lui qui ne veut pas travailler, ne comprend pas le pourquoi de la présence de l'homme sur la terre. Oui. Dieu n'a pas, ici, Dieu n'a pas dit que non, j'ai créé l'homme pour que l'homme m'adore. Non, pour qu'il cultive le sol. Voilà pourquoi il dit, voilà, il a ramené l'homme pour dire qu'en l'homme dans le jardin, au commencement, l'homme a été créé pour travailler et Dieu lui donna le travail de cultiver la terre. Et il cultivait la terre. Et pourtant, il pouvait se nourrir des fruits de la cueillette. Quelqu'un à qui on donne tout, il a tous les arbres qui donnent, les arbres fruitiers et tout, mais il cultive encore. Donc, vous allez comprendre que malgré qu'il avait, mais il cultivait, il travaillait parce qu'il savait que c'était un ordre de l'Éternel de pouvoir travailler. Je ne vais pas entrer dans la révélation. Nous laissons aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes, n'est-ce pas, aux évangélistes de pouvoir vous apporter l'aspect spirituel, la révélation, le travail de l'homme. Moi, je parle du travail. Comme vous avez la houe, vous allez au champ, vous êtes en train de pouvoir sarcler les champs, vous êtes en train de labourer la terre, vous êtes en train de s'aimer, vous êtes en train de récolter. C'est ce travail-là que je suis en train de parler. Donc, Dieu va créer l'homme pour cela. Et il va planter le jardin et lui donner le travail. Et l'homme a commencé à travailler. Bon, quand il a péché, c'est encore un peu. Dieu dit, ok, tu vas continuer à travailler maintenant. Ça ne sera plus facile. Voilà. Donc, il faut comprendre que le travail n'est pas facile. Donc, la facilité n'est pas pour nous. Donc, quand tu cherches la facilité, comme le bien-aimé l'a dit, il a exprimé c'est très clairement. Celui qui cherche la facilité amène des difficultés. Mais celui qui affronte les difficultés rend sa vie facile. Ça, c'est bon. J'aime ça. Ouais. C'est comme c'est ça la nature. Quand vous aimez la facilité, vous appelez les difficultés. Mais quand vous affrontez les difficultés, vous rendez votre vie facile. Donc, nous comprenons que ça a été dit, l'homme va pouvoir manger à la sueur de son front. Donc, c'est difficile. Ça devient difficile. Maintenant, écoutez, c'est là où vous allez comprendre que quand on sait, quand on n'est pas surpris, la difficulté devient supportable. Quand on est surpris, c'est là où la difficulté devient insurmontable. Je vais vous dire, vous savez, quand vous voulez soulever, soit un carton, une chaise, tout ça. Ouais. Donc, vous venez en sachant votre tête vous communique déjà pour dire que ce carton peut peser 5 kilos. Vous attendez, n'est-ce pas, à une force de pesanteur
n'est-ce pas, d'une masse de 5 kilos. Et lorsque vous portez comme ça, vous trouvez que c'est plus que ça. Donc, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir porter le carton parce que vous êtes préparé pour 5 kilos. Mais si vous savez déjà que le carton pèse 50 kilos et que vous voulez porter ces 50 kilos, vous allez mobiliser l'énergie et la force en fonction des 50 kilos. Et vous allez y parvenir. Pourquoi? Parce que vous êtes préparé, vous savez déjà. Le fait de savoir vous permet de surmonter, de supporter la difficulté. Le fait de ne pas savoir vous rend la difficulté, difficile, insurmontable. Bon, si pas insurmontable, mais difficilement insurmontable. Voilà. Donc, on est déjà prévenu. Dieu a prévenu l'homme. Il a dit que tu vas travailler à la sueur de ton front. Voilà pourquoi. Est-ce que vous avez entendu Adam pleurer pour dire que ah non, c'est trop? Non. Quand il souffrait là-bas, Dieu nous a dit qu'il fallait souffrir. C'est no Quand c'est normal, ça se supporte. Vous voyez les femmes, quand elles sont grosses, enceintes, elles sont là, voilà, quand il s'agit d'aller accoucher. Oh, les douleurs d'enfantement, elle crie, elle, oui. Mais si elle n'a pas de douleur d'enfantement, vous allez voir une réaction différente. Et pourtant, ces douleurs-là, les femmes disent, oh non, les douleurs d'enfantement, tout ça. Oui, c'est bien, parce que c'est vraiment. Mais maintenant, qu'elle soit à terme et qu'elle n'ait pas de douleur d'enfantement. Regardez le comportement. Elle va s'inquiéter. Elle va se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'ai pas de douleur d'enfantement? Donc vous allez comprendre que les douleurs d'enfantement sera pour elle une délivrance. Parce que quand elle ressent les douleurs d'enfantement, elle sait que maintenant, je vais donner vie. Ouais. Mais si elle le prend dans ce sens-là, elle surmonte. Mais si elle ne voit pas le positif de la souffrance, voilà, c'est là où on a réellement le comportement de paresseux. Parce que c'est ceux qui refusent d'affronter, n'est-ce pas, les difficultés, de faire face aux problèmes, ce sont des paresseux. Et écoutez ce que le sage dit. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Le verset 6. Ah, je commence au verset 3. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies. Et devient sage. Ouais. Donc, on demande aux paresseux d'aller vers la fourmi. Oh non, vous voyez, vous parlez de fourmis, vous parlez, au lieu de nous parler de Jésus, de nous parler de l'amour, de nous parler du travail. Nous parlons du travail maintenant. Mais le travail maintenant nous amène vers la fourmi. Ok, Dieu soit loué. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime notre évangile, l'évangile de notre Seigneur Jésus, l'évangile qui parle des animaux, des crocodiles, des hippopotames, des corbeaux, des autruches, de buffles, de lézards, des vers de terre qui parlent, n'est-ce pas, du lion, de l'agneau, de la fourmi. C'est ça notre travail. On ne va pas fuir ça. C'est ça notre nourriture.
Nous aimons ça, nous aimons ça. Paresseux, va vers la fourmi. Et tu vas devenir sage. La fourmi va t'enseigner. Bon, combien ont observé la fourmi et sont devenus sages? Gloire au Seigneur. Nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la sagesse. Pas les fourmis ici. Nous, quand on était enfant, on jouait en regardant les fourmis qui prenaient le même chemin, qui se touchaient les têtes, tout ça. On voulait comprendre tout ça, mais on est resté sans rien comprendre. On les observait sans rien comprendre. C'est lorsque nous avons commencé à regarder les documentaires, c'est là où les scientifiques, ceux qui ont étudié d'abord, ceux-là ont commencé à nous expliquer pourquoi les fourmis suivent le même chemin, pourquoi on a commencé à comprendre. Mais toi seul en observant, sans que quelqu'un ne t'enseigne, bon, je ne crois pas que tu vas devenir sage. Il dit, va, observe, et tu deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Voilà. La Bible l'a dit. Vous croisez les bras comme ça. Oh non, voilà, Dieu va faire. Là, non, voyez, Dieu va faire. Nous allons prier, croiser les bras. Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Parce qu'il ne contredit pas sa parole. Il ne fera pas. Pourquoi nous prions? C'est pour avoir la force de travailler. C'est pour avoir la force d'agir. C'est pour avoir la force de pouvoir manifester ce que Dieu a mis comme potentiel en nous. Tu n'as pas fait la physique. Même en physique, on te dit l'énergie potentielle, c'est l'énergie. C'est une énergie. Mais tant que cette énergie n'est pas exploitée, cette énergie reste. Donc, sans pour autant produire. Pour produire, l'énergie potentielle doit se transformer. Soit en énergie cinétique, soit en énergie, la chaleur. En chaleur. Donc, pour pouvoir réellement donner de l'action. Parce que tu peux avoir l'énergie, le potentiel, mais tu es inerte, tu ne bouges pas, tu es comme un mort. Donc la pauvreté, vous voyez, oh non, les liens de la pauvreté, nous sommes en train de couper les liens de la pauvreté, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, c'est bien, mais ces gens-ci ne vont pas. Le lien de pauvreté est coupé par le travail. Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont me dire, mon cherche de travail, il n'y en a pas. Oui, tu as cherché. Tu as fait l'écriture de Matthieu. Demande. Tu as fait des demandes. Tu n'as pas trouvé. Tu as frappé. On t'a ouvert et on t'a refermé les portes. Tu as cherché et tu n'as pas trouvé. Et qu'est-ce que tu fais? Là, tu croises les bras. Non, non. C'est là où nous te disons, va chez la fourmi. Vous allez comprendre que c'est vrai que lorsque nous cherchons du travail, parce que c'est en Europe, travailler chez quelqu'un d'autre, c'est mieux. Vous savez pourquoi c'est mieux? Parce qu'en fait, vous lui laissez toutes les charges. C'est lui qui s'occupe des charges pour le soin, pour la retraite, pour tout. C'est lui qui va payer tout ça. Donc, toi, tu travailles et lui s'occupe, il va se charger de cela. Et tu as ton salaire, entre-temps, il verse tes cotisations pour
ta retraite pour mutuelle santé, tout ça en cas de maladie, on te soigne. Bon, toi, tu payes un petit rien, voilà, mais le gros est payé par celui qui t'emploie. Donc, c'est plus facile de trouver du travail, de travailler pour quelqu'un que pour soi-même. Mais quand nous sommes dans le tiers-monde, c'est la même chose. Les gens, oh, il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de travail. Mais maintenant, allons chez la fourmi. On dit, la fourmi n'a pas de chef, donc ne travaille pas pour le compte de quelqu'un. Ça, c'est mieux. Donc, on a dit, tu as cherché le travail parce que tu aimes le bureau. Va, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les fonctionnaires sont pléthores. On cherche même à réduire le nombre de fonctionnaires. Car ils coûtent cher. Surtout pour mon pays, le Congo, j'ai appris que les salaires, donc la masse salariale, occupent 70% ou 70%, n'est-ce pas, des dépenses par rapport aux recettes de l'État. Donc, quand l'État reçoit 100%, 70%, 70% vont dans la masse salariale. Donc, ça ne, voilà pourquoi l'État ne s'enrichit pas. L'État ne produit pas. Parce que l'État rend service. Les fonctionnaires, ce sont les vendeurs de services. Voilà. Donc, l'État a besoin de compresser. Donc, c'est normal. Vous êtes dans un tel pays. Vous cherchez à être dans les fonctions publiques, dans des bureaux. Bon, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Et qu'est-ce que vous faites? Oh non, je suis devenu intercesseur. Intercéder pour. Non, 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 frère. Va chercher le travail. Laisse les sœurs intercéder pour lui. Parce qu'elle, l'écriture ne dit rien. Hein? Ne dit rien. Donc, le groupe d'intercession, ça sera plein de sœurs. Les frères, allez travailler. Les frères. Bon, les sœurs qui veulent s'épanouir peuvent aussi chercher le travail. Celles qui veulent s'épanouir. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que dans ce cas-là, faites comme la fourmi. Soyez votre propre chef. Parce que la fourmi n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur. Cela voudrait dire la fourmi travaille pour son propre compte. Maintenant, c'est là où le problème est. Travailler pour son propre compte, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi quand je regarde, tu vois, je vois mes frères congolais. Bon, je parle du Congo parce que je connais le Congo. Excusez-moi, Camerounais, autres frères étrangers, tout ça. Excusez-moi, moi je parle de ce que je connais, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, donc il travaille pour son propre compte. Et vous allez voir quelqu'un en train de travailler pour son propre compte, il est en train de pouvoir dire, oh, voyez, je fais ça parce qu'il n'y a pas de travail, le gouvernement ne nous offre pas de travail. Oh là! Il considère ce qu'il fait comme de la distraction. Voilà, déjà, c'est là le facteur d'échec. Donc, quelqu'un qui travaille, il considère ça comme passe-temps. Mais quand on va lui raconter l'histoire de. Je ne sais pas s'il fut gouverneur ou commissaire de. Un monsieur qui a commencé à vendre, n'est-ce pas, dans un petit coin comme ça. Il est mort, son fils est devenu ministre, monsieur Kissombe. Ce monsieur a fait une campagne à cette époque, campagne à l'américaine. Les gens ont, partout ils passaient, ils laissaient de l'argent, de la nourriture, de la boisson, des t-shirts. Il avait beaucoup d'argent. Mais quand on vous raconte, vous allez voir que cet homme a commencé. Comme l'autre qui est en train de chercher le travail, il dit que non, vous voyez, ce que je fais maintenant, bon, on se débrouille. Voilà. Ce que tu fais, c'est du travail déjà. Tu es en train de monter ta propre boîte, de pouvoir
Le problème maintenant, c'est de mettre de l'intelligence là-dessus. Bon, je comprends aussi. Quand quelqu'un. Parce que les études, ce n'est pas pour que vous soyez. Comment? Plus homme que l'autre, mais c'est pour. Quand on étudie, c'est pour résoudre les problèmes. Voilà pourquoi en mathématiques, on a il faut faire des résolutions physiques. Donc, toutes les disciplines, vous allez voir les questions, vous devez résoudre des questions, des problèmes, faire face à des problèmes. C'est ça, les études préparent quelqu'un de pouvoir trouver des solutions aux situations, aux problèmes qui vont survenir dans sa vie. L'avantage de quelqu'un qui a étudié, c'est ça. Mais malheureusement, la manière dont on donne encore cours, on forme, on abrutit les gens en leur donnant cours. En leur disant que vous allez aller travailler chez quelqu'un. Donc il est abruti. Quand il finit là, il commence à regarder. Je vais aller travailler où? Je vais aller travailler où? Et pourtant, quand tu as étudié, tu es arrivé à l'université. Donc, c'est-à-dire que tu es capable de résoudre n'importe quel problème, normalement. Hein? Un universitaire, c'est ça. Mes excuses, parce que ceux qui n'ont pas étudié vont dire, oh, le pasteur veut montrer que ceux qui ont étudié, ils sont quand même. Non, ce que je dis, je parle, c'est pourquoi je dis, pour travailler aujourd'hui, il faut avoir la connaissance, la matière. Comment avoir la matière? C'est à l'école. Ce n'est plus l'école boussonnière, ce n'est plus auprès de ta mère, auprès de ton grand-père. C'est à l'école qu'il faut apprendre cela. Bon, si tu refuses, tu peux aller directement apprendre l'apprentissage, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours l'apprentissage. Mais aller apprendre auprès de quelqu'un qui travaille. Mais aller apprendre, dans l'idée d'apprendre. Et qu'il ait aussi cette bonne volonté de t'apprendre tous les trucs qui concernent son travail. Mais à l'école, au moins, on va te donner, on va te dire, voilà, quand tu as telle affaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, n'ayons pas peur. Quand tu n'as pas de travail, tu as frappé partout avec, tu as porté des costumes, des cravates, tu es allé, tu as parlé un bon français, mieux que moi, vous allez là-bas, tout ça, pas rien du tout. Va chez la fourmi. Tu regardes la fourmi. Où est son chef? Pas de chef. Où est le maître, contremaître? Pas de contremaître. Inspecteur? Pas d'inspecteur. Oh. Donc, il est son propre chef. Donc, vous comprenez? Il ouvre. Et quand tu commences, bon, chez nous, oh là là. Ah. Ouais, parfois, ces choses ici, c'est mieux que les grandes révélations. Bon, je veux dire, ce que j'ai vu chez nous, au Congo, je ne sais pas si. Vous allez voir, les universitaires n'osent pas. Mais les mamans qui n'ont pas, elles osent. Ces mamans-là, quand vous regardez, elles font le chant. Quand on veut lui arracher le chant, elle va commencer à pleurer. Ce chant ici, par ce chant, je nourris ma famille. Je fais étudier mes enfants. Voilà, je loue ma maison. Je fais tout avec le chant. Vous regardez deux lopins de terre. La maman nourrit. Avec deux lopins de terre. Mais donner à un universitaire deux lopins de terre, il va commencer à calculer. Oh, je vais gagner combien? Regarde, fais les calculs. Oh, tout ça, c'est pour 10 dollars de bénéfices. Oh, je ne peux pas. Il n'a rien. Bon, c'est vrai, économiquement parlant, un chômeur ne vaut pas zéro euro. C'est bon. Bon, c'est vrai en Europe parce que les chômeurs, on le paye, ouais, parce qu'il ne vaut pas 0 euro. Mais au Congo, quand tu es au chômage, c'est 0 francs, 0 euro, 0 dollars. Donc l'État ne te donne rien, zéro, c'est zéro. Donc, quoique à l'école, on va te dire que tu ne vaux pas zéro, c'est vrai, je ne te dis pas aussi que tu vaux zéro, mais tu vas recevoir zéro, au moins. Tu vaux peut-être. 800 dollars, hein? Mais tu recevras 0 dollars. Bon,
rester comme ça avec une potentialité de 800 dollars et à la fin du mois tu as zéro et de faire qu'à la fin du mois que tu aies 10 dollars. Qu'est-ce que tu vas préférer? C'est là où les mamans qui n'ont pas beaucoup étudié, elles ne réfléchissent pas. Pour elles, tant qu'elles gagnent quelque chose, elles foncent. Mais ceux qui ont étudié vont calculer, non, pour 10 dollars, pour 20 dollars. Mais peut-être que tu as étudié avec le bénéfice de 20 dollars de ta maman, maraîchère. Mais toi-même, incapable de pouvoir. Parce que la difficulté, Paul dit, c'est avec peine, jour et nuit. Et vous savez que Paul était faiseur de tentes dans son propre compte. Hein. Vous voyez, Paul, je ne dois pas être chef. Quelqu'un doit ne doit pas être mon chef. Parce qu'il était sage. Il était son propre chef. Voilà pourquoi, quand il voulait stopper le fait de faire des tentes, il stoppait pour aller prêcher la parole. Mais moi, pour moi, je sais aussi. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit les révélations, nous laissons au docteur. Je salue le docteur Maurice que j'ai vu, que le Seigneur le bénisse. Nous laissons aux docteurs qui vont vous prêcher la révélation. Et nous laissons aussi aux frères audacieux, parce que y a des frères comme ça, hein, qui n'ont pas peur. Quand il lit comme ça, Paul, faiseur de tentes, y a un mystère caché. Oui, moi je crois. Je crois qu'il y a un mystère caché. Voilà. Il faisait les tentes et il prêchait la parole aussi. N'est-ce pas? Or, il nous dit que la tente que nous avons une autre tente. Bon, je ne veux pas entrer là-bas. Ok. Donc, vous allez comprendre que il affrontait la difficulté, il travaillait jour et nuit, il était dans la peine. C'était pour prendre, n'est-ce pas, à charge sa propre vie. Et prendre à charge certains des frères qui étaient. Lisez dans le livre des Actes, n'est-ce pas? En acte 20, Paul le disait, j'ai travaillé de mes mains, et ces mains ont pris soin de moi et de ceux qui étaient avec moi. Donc il les nourrissait aussi. C'était pour leur apprendre qu'il y a beaucoup, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il a vécu cela. C'est pourquoi je dis, vous voyez, les frères ne donnent pas parce que nous-mêmes, les pasteurs, on a des problèmes. Bon, quand tu ne travailles pas pour donner, il faut que les frères donnent. Mais quand les frères donnent aussi, ils doivent te voir donner. Mais toi, tu reçois, tu ne donnes pas. Après, tu prêches. Il y a beaucoup de bonheur de donner que de recevoir. Comment les gens... Vous savez, les frères sont des vrais observateurs. Ils vont commencer à te observer comme ça, tu prêches. Il y a beaucoup de bonheur de donner que de recevoir. Ils disent Amen. Et tu commences, oh, quand tu donnes, Dieu va te bénir. Tout ça, Amen. Et ils vont donner, ils vont donner. Maintenant, comme toi, tu ne travailles pas, quand tu prends ça, c'est ton travail. Parce que la prédication, c'est ton travail. Prêcher, prendre soin de... c'est ton travail. Quand ils te donnent, c'est ton salaire, non? On va voir aussi si toi, tu vas partager ton salaire. Quand ils voient que toi, tu prends, tu ne donnes pas. Tu rends les frères incrédules. Automatiquement, les frères deviennent incrédules. Ah, c'est là où ils commencent à dire, ils enrichissent les hommes de Dieu. C'est parce qu'en fait, vous ne faites qu'emmagasiner. Quand vous ne faites qu'emmagasiner, voilà, c'est pour vous enrichir. Donc, quand vous recevez, vous devez donner. Parce que hein, vous devrez manifester le plaisir de pouvoir donner, le bonheur de donner. Bon, on a beaucoup de choses à dire, mais on va pouvoir mettre un point virgule ici pour ne pas faire beaucoup d'heures. Donc, ce que je voulais dire, que ce n'est pas facile, le travail n'est pas facile, c'est difficile, on le sait déjà. Donc, quand tu le sais, tu devrais avoir la capacité d'affronter la difficulté du travail. Donc, voilà, je crois que quand vous comprenez ces choses,
en fait, cette difficulté deviendra quelque chose de normal et tu pourras surmonter cela. Et nous avons dit, quand il n'y a pas, c'est vrai, hein, nous tous ici, on va préférer travailler chez quelqu'un, mais si il n'y en a pas, tu peux, n'est-ce pas, être comme une fourmi. Tu es ton propre chef. Et quand tu fais quelque chose, bon, on pourra, je ne sais pas, bon, comme je vous ai toujours dit, supporter les frères pour qu'ils chantent, n'est-ce pas? Voilà. Nous disons merci à ceux qui donnent. Voilà. Donc, pour qu'on vous apprenne comment prospérer. Quand tu travailles, comment avancer, comment aller de l'avant dans le travail. Comment progresser. Parce que voilà, si on ne te dit pas. À l'école, on nous a appris ça. À l'école, on nous a appris. Mais bon, je ne ferai pas le professeur d'économie. Je dois quand même montrer que cette économie, en fait, n'est que, voilà, peut-être une matérialisation de la parole du Seigneur. Parce que Dieu est le meilleur économe. Il y a des principes divins que les économistes respectent pour qu'ils prospèrent. Hein? Ce ne sont pas les principes raccourcis là. Il faut s'aimer, il faut beaucoup s'aimer pour que tu puisses recevoir beaucoup. Bon, ça c'est trop vague. Il faut véritablement expliquer toutes ces choses-là. Donc, vous allez comprendre que d'abord, il faut travailler. Et puis, même si vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous apprenez les rouages du travail. Et c'est comme ça que, avec de l'intelligence, quand vous avez maîtrisé les rouages du travail, vous allez pouvoir progresser. Parce qu'à ce moment-là, si vous avez, il faut avoir l'envie de toujours progresser. C'est ça aussi. Quand vous travaillez, il faut avoir l'envie de progresser. Les Africains, je suis en tout cas désolé, hein, les Africains n'aiment pas progresser dans le travail. Ils aiment se contenter. Donc, quand il trouve qu'il gagne 500 dollars par mois dans son activité, il se limite là. Il ne veut plus aller de l'avant. C'est comme ça. Et il se met encore beaucoup de charges à chercher des petites chéries qui vont lui bouffer ces 500 dollars-là. Les Africains, c'est terrible. Ouais. Bon, pas tout ça. Hein. Je sais qu'ils vont s'acharner sur moi. Ah, le pasteur, il est complexé. Il est complexé par les Européens. Non. Sur ce point-là, sur le point des activités, les Européens ont les principes divins. Ils les ont vulgarisés et c'est dans leur culture. Ils ont la culture du travail. Pas nous. Nous n'avons pas cette culture de travail. Il faut se le dire la vérité en face. Je vous ai déjà dit que je me suis étonné pourquoi, quand j'étais en Afrique, je ne me fatiguais pas. Et j'ai compris que non, j'allais faire 8 heures au travail. Parce que quand je calculais, je trouvais 8 heures au travail, 2 heures de causerie avec les collègues. Peut-être plus, hein? Peut-être 3 heures de causerie, tu es en train de causer. Après, tu reviens, tu fais ton travail. Donc, sur 8, vous enlevez 2, ça fait 6 heures. Bon, parfois on enlève 3 et quand vous enlevez vos pauses encore. Donc sur 8 heures, vous allez voir 4 heures de travail, 4 heures de distraction. Mais comment on va progresser? Mais pas l'homme blanc, non, c'est 8 heures, 8 heures de travail. Donc acceptons quand même cela et ça va nous permettre d'avancer. Voilà. Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Travaillons. Sois fier d'être chef de soi-même. Même si tu vends les arachides, tu es ton propre chef. Quand tu veux fermer la boutique, tu pourras fermer quand tu veux. Mais
Comprends que, et il a envie toujours de progresser. De progresser. Tu as un bassin, dis-toi, dans 3 mois, je dois avoir 2 bassins. Dans 4 mois, des sacs. Dans 5, 2 sacs, 10 sacs, un dépôt. Si vous avez des envies comme ça, vous allez avancer. Mais si vous n'avez pas d'envie, bon, quand vous vendez là, vous êtes malheureux. Bon, comment vous aurez envie d'aller au-delà? Bon, que Dieu bénisse les mamans africaines. Que Dieu les bénisse parce que ce sont des mamans très courageuses. Elles ne se préoccupent pas de combien elles vont gagner. L'essentiel pour elles, c'est de pouvoir travailler. Et elles nourrissent les enfants, font étudier les enfants, nourrissent même le mari qui a été fatigué par des promesses pour trouver un travail au bureau là. Et il reste pour jouer aux dames. Il est devenu un grand damier, donc damiste ou damier, je ne sais même pas quoi là-bas. Et nos mamans vont dans le champ, font le travail que les autres nous estimons, nous les hommes sales, que le travail dégradant, méprisant. Elles ne regardent pas ça. Mais elles ont le principe divin, que Dieu les bénisse, voilà. En tout cas, que le Seigneur soit favorable. On pourra peut-être continuer, peut-être passer à autre chose. Mais comme nous le disons, supportons les chantres pour que nous ayons des thèmes à exploiter. Ça sera une bonne chose. Et ainsi, nous pourrons les bénir aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse dans vos activités, dans le travail que vous faites, qu'il vous donne l'envie de pouvoir progresser. Parce que très souvent, ça se voit aussi au niveau de l'âme. On sent qu'on n'aime pas trop progresser. Il faut chercher à progresser, à avoir plus de connaissances. Donc, ayons l'envie de pouvoir aller de l'avant chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi pour louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.